salut les guerriers, aujourd'hui on vous régale avec le plus gros featuring jamais fait dans toute l'histoire du feed game. 9 de vos youtubeurs préférés seront présents dans cette vidéo. Bon, pas physiquement, ils appréhendent toujours un peu de se mettre à côté de nous quand ils sont en off. On a leur numéro de téléphone, on vous donnera dans cette vidéo, et on va les appeler un par un pour prendre de leurs nouvelles, créer des problèmes, mais surtout pour gratter une séance d'entraînement personnalisée. Une séance complète qui sera créée en collaboration avec ces 9 youtubeurs, la séance la plus hardcore, mais aussi la plus illogique. Chacun leur tour, ils nous donneront un exercice, un nombre de répétitions à faire et un temps de repos à respecter. Est-ce que ce sont vraiment des bons coachs ou est-ce qu'ils veulent simplement nous détruire? Bon, on commence avec Body Time les gars, on va essayer d'appeler Alex et PJ. Ils travaillent pas beaucoup, donc ouais, ils devraient répondre. Je pose ce ping-pong qui ne travaille. Non, au parleur. Allô? Ouais les gars. Ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, on vous manque pas trop. Ouais, j'ai vu, t'as répondu trop vite là. Là, on t'a appelé pour savoir justement, c'est quand tu nous envoyais les prochains billets là. On est déjà en manque de vacances. Les prochains, c'est pour les Maldives, dans 2 semaines, hein, je crois. Ah, je suis désolé, on est obligé d'inviter toutes vos familles. Ah, ils nous mettent bien. Plus sérieusement, on t'appelle parce qu'on va faire une séance. Là, on appelle plusieurs youtubeurs et on voulait que tu nous donnes un exercice sur une séance d'eau. Sachant que t'es le premier. Donc toi, ce sera le premier exercice de la séance. Ok, donc je fais comme si c'était pour moi. Donc on va partir sur un exercice polyarticulaire. Ok. Un petit rowing ou un petit débat. Ah, je le savais. Je le savais. Ah, mais c'est pas petit, lui, parce que c'est chargé. Ah ouais, on a vu. Ok, un petit rowing. Combien de répétitions? 6. Oh, et temps de repos? Ça va, lourd. On est lourd. 3 minutes. Ah, ouais, ça va, 3 minutes, tu nous as mis bien, ça va. Ok. On t'a pas appelé en dernier parce qu'on sait que vous êtes fan de burpees, on voulait pas se taper les 1000 burpees à la fin de la séance, on t'a appelé direct. Ah bah, je t'avoue que si tu m'avais dit vers la fin, je t'aurais mis un truc un peu plus farfelu. Ah, ouais, on vous connaît. Ils aiment trop. Bah, on va aller faire ça. C'est pas si aussi nul qu'au basket. Allez, là, regarde, ça commence. Les gars, vous l'avez vu, le vlog, ils ont choisi leur sport. La prochaine fois, on choisit nos sports, on vous met votre athlète sur tous les autres sports. Pas de soucis, les gars, choisissez ce que vous voulez. Orientation synchronisée, on vous traite. Allez. Ah, là, tu l'entends? Ah, ils sont bons danseurs, je pense, c'est des bons danseurs, ces mecs-là. Bon, on va appeler un autre collègue à toi. Ouais. Est-ce que t'as un message à lui faire passer? Tu sais pas c'est qui encore? Non, on peut pas te dire c'est qui. Non, on a déjà choisi qui on va appeler derrière, mais est-ce que t'as un mot à lui passer sans savoir qui c'est? Tu dis ce que tu veux. Tu lui s'entraînes un peu mieux. J'ai pas entendu, tu peux répéter? Tu dis il s'entraîne un peu mieux parce que là les séances ça pue un peu la merde. Voilà. Il est gentil et tout, il est beau, mais. Il est fou. Bon, t'as bien compris, c'était la vidéo des problèmes. Ouais, bah merci beaucoup d'avoir répondu, Alex. On te laisse travailler. Bonne vidéo. Et nous, on va faire l'exercice que tu nous as donné. Premier exercice, le T-bar. 6 répétitions, 3 minutes de repos. Puis bon, c'est pas là, il va commencer à charger. Parce qu'on va faire honneur à Alex. Il met 6 plaques qu'il m'a dit là-dessus. Ouais, après, il met des plaques de 20, on en a pas là. Donc, on va mettre 6 plaques de 20. On va mettre assez. On va mettre assez pour faire du syrup. 6 plaques de 20, c'est ce qu'on a dans la fois, il faut même lui en marcher. Et si tu fais ça, 15, 30, 60, 3 plaques, plus 10, 5 plaques. 5 plaques de 20, ça fait 100 kilos. 100 kilos. Alex, ça va, on fait honneur? On appelle Solid Mike, les gars. Allô? Oui, bonjour monsieur, on vous appelle, c'est pour un service après-vente de protéines alimentaires. Livraison, c'est ça, vous êtes devant le portail? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez entrer, je suis tout nu déjà.
comme d'habitude. Tu te rappelles comment il nous a accueillis? Il casse les couilles, c'est trop. Toujours torse nu avec son petit legging là, bien moulant. Comment il va, Mike? Ça va, et vous les gars? Vous êtes bah. Tous les deux là? Ouais, ouais, on est tout nus aussi d'ailleurs. Avec les abonnés quand même, on t'entend. Bah, c'est parfait, ouais. Ah non, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas reçu sur FF. Non, vous voulez un exercice mec, c'est ça? Non, lui, c'est que les pecs. Ouais. Il connaît pas d'autres groupes musculaires. Déjà, on doit te dire qu'on a appelé Alex juste avant et il t'a fait passer un message. Il a dit qu'en ce moment, tu t'entraînais super mal, que tes entraînements étaient éclatés. Je te jure que c'est vrai en plus. En ce moment, mes exercices, c'est coller du scotch pour la peinture. Ah ouais, ouais, t'es dans les travaux. Le pauvre. On va avoir besoin de toi pour un exercice dos. On a Alex juste avant, il nous a donné le rowing T-bar. Rowing T-bar, T-bar, il a dit. T-bar. Et là, on a un deuxième exercice qu'il va nous falloir du coup. Pour le grand dorsal, là, c'est ça que vous voulez. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis, sachant que le premier exercice, c'est le T-bar. Non, moi, je veux que vous devenez millionnaire, donc je vais vous dire de faire du bûcheron. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Je vais faire du bûcheron tous les jours. Il est bon, il a la ref. Vas-y, rowing bûcheron, ça me va très bien. Combien de rep et combien de temps de repos? Je veux faire un truc anormal. Voilà. Vous allez faire du pyramidal jusqu'à atteindre votre RM1 sur votre. Quoi? En fait, ce qui est marrant, c'est que ça va être compliqué avec des haltères de trouver une RM1. Ça va être impossible. Bah, du coup, il va falloir le faire avec une barre longue, je pense, à la fin. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as compris? Ouais, ouais, moi j'ai compris. C'est un bâtard. C'est vraiment un bâtard. Et ça, on met combien de minutes de récupération? Je sais comment vous pouvez le faire, sinon, bois Pimousse ou même Jijo, vous êtes tous les deux à 80 kilos, quelque chose par là, en rowing RM1. Donc, il suffit de soulever Pimousse, en fait. Ok, il veut clairement faire du sexe. Ouais, ouais, sur il la veut tête. Faire du sexe. Donc il là, tu veux que je soulève mon cousin en vidéo. Ok. Il est fou. Pyramidal, rowing bûcheron. Et combien de minutes de repos? Et combien de reps? Alors, pyramidal, donc vous allez lutter progressivement. Je pense que vous allez faire 20, 10, 5, 1. 20, 10, 5. C'est quoi ces programmes là? T'inquiète, moi j'aime bien ça. Attention, sur les reps, il faut que vous preniez une charge pour laquelle vous pouvez en faire 15. Sur le 5 reps, vous prenez une charge pour laquelle vous pouvez en faire 10. Histoire de pas vous griller non plus. Ah okay. Ah mais c'est pas mal parce qu'on va travailler tout, sur toutes les filières là. Là t'as de la force, t'as de l'endurance, pas tout. Et tu nous laisses combien de temps de repos entre chaque série? En temps de repos, la première série 1 minute 30, la deuxième 2 minutes. Et juste avant votre RM1, vous en prenez 3 suffisant. Ok, ouais, ça va. Si vous finissez sur la RM1, faites quand même une dernière série. Oh, il veut manger. Frérot, on a dit un exercice, commence pas à nous faire la séance. Parce que derrière on va appeler tes collègues. Ça, c'est moi qui décide aujourd'hui. Putain. Il nous respecte pas. J'allais faire une série de données mes skins à Solid Mike sur ouais. Ah ouais, ok. Lui, il a que lui, j'ai compris, ça y est. Tu joues encore? Ouais, je joue encore là. C'est quoi ta chaîne Twitch? Comme ça, on la met sur YouTube là. Solid Mike 3, je reprends bientôt quand CS2 il sort. Il a pas CS2, il est bon. Enfin, il a tout compris. Bah, t'as bien raison, hein, ça va être le moment là. Bon, là, on va appeler un autre collègue. Tu sais pas qui c'est. Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à lui dire? Sans savoir c'est qui, un message à passer. Il est gay. Hein? Il est gay? Il est gay, ouais. Okay. On dit qu'il est gay. Il est joyeux, il a la joie de vivre. Attends, pas ouais. De problème. Gay et joyeux. Ouais. Donc non, t'as le droit d'être joyeux, frérot. On dit qu'il est très joyeux. Voilà. Et beau et très joyeux avec les hommes. Voilà. Ok, ça marche. Bah merci Sonny Mike. Merci et bah à la prochaine. Hein. Ça, c'est l'exercice qui me dégoûte le plus en musculation. C'est le pire. Sérieuse, on passe à l'exercice bizarre de Swing Mike.
prochain. Marvel. Non, Marvel, il m'a dit plus vers 15h parce qu'à mon avis, on va quand même essayer. Sinon, on va derrière. Il fait quoi, lui? Non, parce que je lui ai dit 13h. Il m'a dit appelle plus vers 15h. C'est très bien, il dort. Bon, pas sûr qu'il réponde. Challenge l'éveil. Normalement, lui, c'était 15h. Là, il est 13h30. Bon, on rappellera, je vais laisser un petit message. Ouais, c'est sûr, il ronfle. Tiens, tiens, tiens. Ah, il y a Arthur aussi, ça peut être intéressant. Lui, il serait plus apte à nous donner un exercice sur le troisième. Arthur Gaines ? Ouais. Et donc, le numéro d'Arthur, 06. Titre de la vidéo, on vous donne tous les numéros du Foot Game français. Ouais, allô ? Oui, allô ? Allô ? Ça va ou quoi ? Il sait c'est qui me quand fait les cons. Il fait le gars sérieux, là. Aucun respect. Aucun respect. Ça va ou quoi, beau gosse ? Très bien, et toi ? Super. Alors déjà, premièrement, on a un message du youtubeur précédent. De Solid Mike. De Solid Mike, du coup, parce qu'on fait passer les messages l'un après l'autre. Et il a dit que t'étais quelqu'un de très gai, très joyeux, surtout avec les hommes. Joyeux ou... Il a dit, Arthur Gaines, il est très joyeux comme avec les hommes. on t'appelle pour une séance dos Arthur. On est au troisième exercice de la séance. Premier exercice, on a eu du rowing T-bar en 6 répétitions. Deuxième exercice, on a eu du rowing bûcheron en pyramidal de 20 à 1 rep. Et là, le troisième exercice, il est pour toi. Bah, en vrai, moi je dirais, vous êtes plus allé sur, vous êtes allé sur du deadlift. Eh les gars, oh non, tout mes poissons. Là, il nous fait un programme personnalisé. Il s'adapte à ce qu'on aime. Donc, deadlift en troisième exercice, t'es un bâtard. Déjà. Mais ça se fait. T'es un bâtard, mais ça se fait. Non, mais parce que sinon, oui. Deuxième, tu vois. Eh, c'est toi le chef. Donc, ça va être du deadlift. Vous faites trois séries. Vous pouvez faire une série, enfin, vous montez tranquillement jusqu'à une série assez lourde. Donc, vous allez à peut-être 6-8 reps. Ouais. Et ensuite, les deux autres, vous allez aller à 12 reps. Ok, donc un top 7, une grosse série. Ouais, c'est ça. Ouais, une grosse série. C'est ça. Et deux séries pour se terminer. Exactement. Elle commence à être jolie là, la séance. Ah, ça va commencer à faire mal là. T'es un chien, j'ai fait les jambes hier. Je suis sûr que c'est... vous avez encore au moins 5 personnes derrière. En vrai, ouais, il y en a au moins 4. On prend combien de temps de repos? Mais tu vois, derrière, il y a les biceps aussi. Temps de repos, tu peux prendre à voir, 2 minutes 30, hein, 2 minutes. Oh, le radin, la vie de ma mère. Donne un peu de cardio. Le radin. Ok, bah c'est noté. Et là, du coup, on va appeler un de tes collègues. Est-ce que t'as un mot à lui passer, sachant que tu sais pas qui c'est? Ouais. Bon, moi, je vais juste lui dire d'utiliser le code AGAIN sur ma boîte. Il est bon. Et de commander du Games Club. Il est bon. Avenir, il va nous tuer si on bip pas ça. Il est bon, bah c'est tout. Bon, on doit faire passer le message. Le message sera passé. Vas-y, pas de soucis. Bon, Arthur, on se capte très vite. Merci d'avoir répondu. Vas-y, et bonne séance. Ciao. Vas-y, ciao, mec. Réessaye à venir. Ah, ça va le piquer en plus quand on lui dit d'utiliser le code. C'est quoi il a dit le... Quel code? Gains. Gains sur MyProtein. N'utilisez surtout pas ce code, les gars. Oh. Oui, patron. Oui, patron. Comment vas-tu, patron? Ça va, patron? Est-ce que tu as bien dormi, patron? Il est 13h40, ça passe. 13h40. Oui. On n'osait pas trop vous déranger. Est-ce que l'entreprise se porte bien? Je suis en déjeuner d'affaires, donc je vais vous dire très clairement ce que j'ai choisi pour vous, messieurs. J'imagine que vous enregistrez la conversation. Absolument, oui, patron. Tout est enregistré. Très bien. Vous allez faire donc du dips. Quoi? Attends. Comment ça, du dips? Non. Tu vois, c'est un exercice pour le dos, nous, les nouveaux. Non, mais il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Il a pris le contrôle de la chaîne. Avenir, déjà, on a quelque chose à te dire d'important. Oui. Paye! Je te dis souvent, mon ami. Montrez mon chiffre, tu vas comprendre c'est quoi. Non, moi j'aurais préféré voir ton chibre. Avec plaisir. Ah, tu parles au bon gars là. Non, juste avant, on a appelé Arthur Gaines qui avait un message à te laisser et il nous a dit quoi? D'utiliser le code Gaines sur MyProtein. Oui, il a raison. Non,
il a raison de ouf. Si je veux mourir demain et ne plus être un client potentiel, voilà, on n'a même pas besoin de le contredire. On n'a même pas besoin de le faire. Les gars, c'est fusion 10. Très cool, les gars. Non, non, donc faire quoi, un exercice du dos? Voilà, ouais. Donc là, on est sur le quatrième exercice de la séance dos. Ah, ça me va très très bien, parce que moi, ça va être, du coup, ça va être de la traction basique. Oh, putain. Lesté, mais vous allez prendre les entre lesté, messieurs. C'est-à-dire, chacun va se lester avec son partenaire. Oh là là, mais je vais me prendre une. En gros, tu dois t'accrocher à mes pieds. En gros, Pimou s'accroche à mes pieds et moi, je tractionne. Voilà, exactement. C'est bon, tu montreras jamais. Mais est-ce que t'as remarqué que dans le film, c'est que des homosexuels? Ils veulent tous qu'on se soulève. Du coup, ouais, chacun fait une série de max avec son partenaire et frottez-vous un petit peu en même temps. Et voilà. Ok, bon, on va prendre plaisir, cousin. De toute façon, on va kiffer, on va kiffer. Ok, dernière chose, et après, on te laisse tranquille. Est-ce que t'as un mot à passer au prochain qu'on va appeler, sachant que tu sauras pas qui c'est? Avenir 10. Il est bon. Voilà, vous avez vu, les youtubeurs, ils veulent tous passer leur pub. Vas-y, merci à vous. Salut, merci. Salut. Ciao. On met les choses au clair. Il y a un seul code promo qui existe dans le. C'est Fusion 10. Il faut arrêter Fusion 10 de la merde. Sur Broadway, les gars. Merci à vous. Vas-y, on va faire travailler le caméraman. Tu vas t'accrocher à lui? Oui, il va monter. C'est où? Vas-y, va, fais-moi plaisir. Monte sur mon dos, non? Viens, monte sur mon dos. Oh, oh, comme un enfant. Okay. Vas-y, c'est toi. Jamais de la vie. Je te donnais les gars. Bah, tu mets ce que tu peux faire. Je vais prendre quand t'as commencé la musculation. 50. Vas-y, va, essaye. C'est mort. C'est impossible. J'essaye pour vous les gars. Oui, 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 oui. Je sais pas si mon ton il passe. Moi, je l'image, vous verrez bien. Moi, je pense pas qu'elle est sans passer. Je voulais dire bonjour en belge. Je sais pas dire bonjour en belge. Bah, tu dois placer 90 au moins une fois dans la conversation. Allô? 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 Ah ouais, comme un gars. Ça va et toi? Je crois Pimous est amoureux de toi. Pour la séance, les gars? Ouais, bah là, on a une grosse séance déjà qui nous attend. On en a appelé 4 avant toi. C'est costaud. Et d'ailleurs, on a un petit message du patron Avner. Il te dit d'utiliser le code Avner10 sur Broadway. Connais pas. On est d'accord. Il y en a qu'un qui marche, il paraît. Ouais, on s'est dit la même chose. Fusion 10. À chaque fois, tu te trompes, tu bégayes un peu. T'as dit Kylian. C'est Fusion 10. Il y a un temps de latence en Belgique. Non, t'as entendu? Non, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la séance. Comme ça, tu peux voir un peu ce qui nous attend. Et t'essaies d'adapter au mieux sans être trop méchant. Si tu me résumes un peu tout ça, c'est une séance d'eau, du coup. Ouais. Et le but, c'est de vous dégommer, en fait, c'est ça. Ah, ok, ouais, ok. Ouais, on espère que tu vas être genre. C'est pour savoir, c'est pour comprendre. C'est pour nous assassiner plus. Du projet, quoi. Bah, on espère que vous allez être gentils, mais il y a des mecs qui nous ont mis du soulevé de terre en troisième exercice, des tractions cousins, c'est un exercice qui n'existe pas. Donc, fais avec ça. Ça reste du divertissement, c'est YouTube. Ouais. Mais c'est une séance d'eau, quoi. On est bien d'accord là. Voilà. Moi, je veux faire tout et n'importe quoi. Ouais, non, on s'est pas entraîné aujourd'hui, on aimerait bien, tu vois, avoir une bonne séance quand même. Mais juste d'eau, tu veux faire d'autres choses que le dos, c'est ça que je te certain de comprendre. Il veut nous faire faire un full body. Ouais, il veut refaire un full body, ça y est. Non, c'est, la séance, c'est dos biceps. Ok, mais ouais, donc il n'y a pas encore eu de biceps, ça, pour le moment. Pas encore, là, il y a 4 exercices. Ok, bah là, ça peut être intéressant, parce que tu vois, si je te rajoute un exercice d'autres, c'est complètement ridicule, tu vois, t'as déjà 4 gros exercices, c'est déjà trop, quoi, tu vois, Il y a déjà analysé le programme, les gars. Ça fait plaisir. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un exercice biceps, et on va pouvoir tenter justement des séries plus longues là-dessus. Donc moi, je pense à du curl incliné. Bien, curl bien. Exercice préféré. Donc on va aller chercher un petit 20 reps, tu vois. Un petit 20 reps sur du curl incliné. Ouais. Donc l'idée, c'est que vous fassiez 3 séries de 20 reps avec une charge qui vous permet de tenir les 3 séries, quoi. Donc première série, normalement, ça doit bien piquer déjà. Maintenant, 1 ou 2 reps sous le pied, donc sur les 20 reps. Deuxième série, là, ça va vraiment déjà en chier, tu vois. Et troisième série, il faut que ça passe, mais tout juste, quoi. Tu vois, les 2, 3, 4 derniers reps, elles sont limite un peu trichées, voire avec des petits reps pause au-dessus, tu vois, des choses comme ça. Ok, parfait. Moi, ça me va, j'aime bien ça. Ça me convient. Est-ce que t'as un message à faire passer au prochain youtubeur qu'on va appeler, sachant que tu sais pas du tout c'est qui? Qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, j'en sais. Eh, fais-moi plaisir, dis-moi que la force des Hagen soit avec toi. Il n'a qu'à me prendre un coaching s'il a un moindre niveau que moi. Il est bon. Ok, ça marche. Il est bon. Ok, bah merci Kylian d'avoir répondu. Et puis nous, bah, on va s'occuper de faire tourner l'exercice. Bon, ce que ça veut dire que la force des Hagen soit avec moi.
là, c'est juste deux réflexions par un kilo. Il a dit la même charge du début à la fin. Non, mais même moi, c'est quand même, ça me paraît un peu light en fait. Vas-y, vas-y, essaye. Une voix sexy. Allez, regarde ce que je vais faire. Allô, mon bébé. C'est ça son problème. Mais toujours. Hier, j'ai dit je peux t'appeler à cette heure-ci. Il m'a dit ouais, gros PD. C'est ça le problème. Il casse les couilles. J'allais faire une voix marrante. Il casse les couilles. On a un message à te passer de Kylian Hagen. Il te passe le message suivant. C'était si tu veux être aussi musclé que moi, prends un coaching. C'est véridique, hein, tu pourras vérifier en vidéo. D'accord, ok. Ça t'intéresse son coaching? Est-ce que je serai roux aussi ou pas? Je le savais. Non, voilà. On l'a dit, c'est la vidéo des problèmes, les gars. Je le savais. Oh putain. Bon, alors, je te fais le topo, c'est une séance dos. Ouais. On a d'accord, déjà 4 exercices dos, un exercice biceps. Une séance dos biceps, pardon. Donc, à toi de voir ce que tu vas nous rajouter là derrière. Je peux prendre un exercice dos, on est d'accord? Dos ou biceps? Là, l'avant-dernier exercice. Moi, je veux faire un exercice dos et je veux faire un truc un peu chiant. Ouais, mais enculé. Attends, juste avant, on a eu du curl incliné. Attends, ça sera à la suite de tous les exercices que ah oui, voilà, ah oui. C'est pour ça. On va voir si t'as un coach et tu peux adapter aussi, tu vois. Et je dois faire le nombre de reps ou pas? Ouais, oui, reps, série, oh, repos. Le bâtard. Ok, alors je veux que vous fassiez du rack pull. Mais quel enculé, j'ai fait les jambes hier. Je veux que vous fassiez du rack pull parce que le rack pull c'est galère, c'est bien chiant. Mais quel enculé. Alors, d'abord on fait curl incliné. Et après on fait du rack pull. Et après on fait du rack pull. Voilà, ça c'est le C-gym les gars, ça c'est le Corona Gym. Voilà. Du coup, je veux que vous fassiez du rack pull et que sur le rack pull vous fassiez 6 reps à l'échec. Mais quel enculé, sérieusement. Ah d'accord, ton but c'est de nous blesser. Comme ça il y a la place, il y a le trône dans le fit gym. Ok. Putain de merde. Ah l'enfoiré. Voilà, je veux que vous fassiez du rack pull, 6 reps à l'échec, 4 fois 6 à l'échec. 4 séries, bah voyons. Bah toujours plus. Et avec combien de temps de repos? 4 fois 6 reps, sachant que sur le rack pull. Pour faire 6 reps à l'échec, surtout vu vos gabs, faut que vous fassiez, vous mettiez assez lourd quand même. Ouais, ça, c'est, on s'en doutait. Il va falloir au moins être à 220, 230, 240. Hein. Oui, bah oui, 220. En fin de séance, on va taper 220, les 220 kilos aussi. Normal, au calme. Vous mettez pas 140 au rack pull, je suis désolé, je veux qu'il y ait minimum 200. Eh, rappelle-moi de plus jamais te rappeler. Combien de temps de repos, juste pour savoir? 10 minutes au moins là. Bah non, mais en vrai, je sais pas. 30. Mais quel enculé, ouais. Il fait exprès. Non, c'est très grave. Non, mais vous faites, écoutez, dès que Pimou ça finit sa série. Quel bâtard. Ah, il veut qu'on se mette au crossfit. Mais t'inquiète, nous on va. Bah, demande à Kylian, il va t'aider. Non, attends, justement, on va appeler quelqu'un d'autre là. Est-ce que t'as un message à passer, sachant que tu sais pas qui c'est? Bah, du coup, ça sera bipé. Quoi qu'on peut mettre ça maintenant sur YouTube. Je ne citerai jamais avec cette personne. Oh putain. Si c'est pour rigoler, y'a rien. Et là, le prochain, c'est Bill Gates. Et là, tu te mets dans la merde. Vas-y, on va appeler le plus gros derrière. Ouais, on va prendre le plus gros, je pense. Vas-y, ça marche. Un qui va bien foutre la merde. Bon courage. Ouais, merci. Merci beaucoup. Il y a même pas fait le temps d'analyser. Ouais, je fais des baisers. Voilà, je fais des baisers. Il aurait pu mettre des burpees, il aurait. Donc là, il y a combien? 200. Et on doit faire combien de reps? 6.
appelle Naj. Naj Bifrit. Sors-lui un gros salam alaikum. Allô. Ouais, allô. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est léger, mais je t'entends, on va se rapprocher un peu. Ça va ou quoi? Là, quoi, mon poteau? Ouais, t'es en mode TikToker ou en mode YouTuber, là? Là, non, je suis en mode shoot pour une émission, là, je suis en mode acteur. Ah ouais, il est bon. T'es partout. On essaye, on est tout ça, mon gars. Ah, t'es bon. On a un message à te faire passer de Ibrahim du Corona Gym, il dit de bien te faire enculer. Carrément? Pourquoi tant d'amour? Et il a rajouté aussi qu'il fitterait jamais avec toi. Merde, ça, il m'a vu. Non, en vrai, il savait pas du tout c'était qui on allait appeler. On lui a dit on fait passer un message à un autre youtubeur, mais sans que tu saches c'est qui. Donc il savait pas du tout que c'était toi. Voilà, on voit que de l'amour, même face à la haine à ONH. Non, mais après, quand les gens ils font du bon truc, le mec il taffe, c'est cool. Non, c'est un bon gars. C'est bon ça, j'ai bien. Il veut son feed, je crois, mais il a dit jamais tu l'auras. Il va quand même l'avoir. Ouais, t'es bon. Très tactique le rebeu. Bon, on t'appelle pour une séance d'eau, on fait vite, on sait que t'es occupé. T'es dos biceps. On a eu 4 exercices d'eau. 5. 5 exercices d'eau, un exercice biceps. Donc là, il nous reste un exercice, c'est toi qui vas nous le donner. D'accord, quel muscle d'eau ou biceps? Enfin, celui que tu veux. Celui que tu veux, parce que là, t'as vu. Là, vous avez déjà 5 dos et 1 biceps. Ouais, et le cinquième exercice, c'est du curl incliné. Et après, on a appelé Ibrahim et il nous a fait faire du rack pull derrière. Ouais, ça j'aime bien, j'aime entendre ce genre de choses. On va envoyer la sauce pour pouvoir assumer le rack pull surtout. Donc toi t'as curl incliné, donc là tu vas enclencher sur un long portion. Moi ce que je te conseille de faire c'est d'aller ta plus bonne portion, donc faire un spider curl. Ah oui, parfait. Bonne analyse, vous avez vu. On va mettre une petite technique d'intensification, donc tu pourrais claquer 12 reps. Et en fait... Oh putain, et voilà. Vous m'avez appelé, faut que je vous mette bien, tu vois. Voilà, faut que je vous mette bien, il a dit. Très bien, là. Combien de séries? Là, vous avez déjà un gros volume, on va mettre plus 3. Ah, j'aime bien. Attends, 3, et vu que c'est ta fin, sur la dernière série, après vous claquez un drop set. C'est un raciste, lui, c'est pas possible, il aime pas les Italiens. Il aime pas les ch'tis. non, mais si jamais à un moment ça brûle, vous me dites qu'après ça, la séance elle est terminée, là. C'est vrai, après ouais, ça, c'est dernier fini. Exercice. Voilà, ce petit finisher, c'est pour mettre bien, après tu rentres chez toi. Bon, toi t'as pas de message à passer à d'autres youtubeurs parce que... Mais est-ce que t'as un message à passer à la communauté? Voilà, aux abonnés Fitness Fusion, est-ce que ton dos va mieux déjà? Parce que la dernière fois qu'on t'a vu sur FF, ouais, tu t'es blessé. Ouais, voilà, donc je tiens à dire à vos abonnés que est-ce que vous savez que vous êtes abonnés à des assassins de dos? Genre on est méchants les gars. Mon dos a été en Sharpie pendant 3 semaines, j'ai été testé, ça m'a réveillé la nuit. Ils ont fait de ma vie un enfer, voilà, je vais écrire sur ma pauvre. Fitness Fusion. Oh putain. Fitness Fusion m'a tué, je vais faire ça. Là, il fait le mesquin, il veut gratter des abonnés. Il joue sur l'émotion. Il est bon. Les gars, on a été gentils avec lui. D'ailleurs, jeu de loi demain, si t'es chaud, on t'attend. On refait les mêmes exos. Comme ça, on va trouver notre partie à péter pour aller avec voilà. On s'occupera de l'épaule ou du tibia, on trouvera bien quelque chose. Bon, ok, Naj, on va pas t'embêter plus longtemps. Bon tournage, merci d'avoir répondu. Et puis, bah, on se capte très vite. On se capte bientôt. Salut, Naj, merci. Thank you.
Ah, ok. Ah ouais, ça tire comment ? Sur la dernière. Pompumou, c'est encore une séance de baiser. Je vais pas dire les termes, oui. La semaine dernière, on était à Agadir, pour ceux qui l'ont vu. Aujourd'hui, on se retrouve à faire encore des séances à la con. Des blessures. En vrai, ça va. C'est pas des séances que tu peux faire toutes les semaines, parce que oui, tu te blesses. Ouais, mais encore, là, c'est occasionnel, mais ça n'a aucun sens. C'est des exercices choisis aléatoirement. Ouais. C'est par des youtubeurs qui veulent qu'on arrête YouTube parce qu'on commence à être dangereux dans le game. Ouais, même en les mettant dans le bon sens, gros, les exos ça n'a aucun sens. Ça va dire une dinguerie. Ça n'a aucun sens. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais, t'as dit, ils veulent qu'on se blesse parce qu'on arrive dans le game. On arrive rien du tout. On est en Twingo, frère. On est toujours en slip, hein. Pour ceux qui commencent à nous voir aller à Agadir, à traîner avec Bootstime, Avener et tout. On nous a payé le voyage, sinon on y va pas nous. On n'a toujours pas encore réussi sur YouTube les gars. Si vous vous lancez, dites-vous pas que 30 000 abonnés c'est beaucoup. On est encore personne. On a besoin d'avoir une grosse communauté, d'avoir un fort engagement. Donc likez, commentez les gars, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous on remercie tous ceux qui sont participés à cette vidéo. Dis-moi si on peut plus, wow. Vas-y, je fais l'outro. Non, ça m'a. Là c'est l'endorphine, elle arrive. C'est l'heure de la sieste. Ah ouais. Mais... Si ça fait plaisir. Un pré-workout. Non, un shaker Broadway. Ouais, ça serait pas mal. Faut bien. Pour la récup, ce serait bien. C'est ce qu'il faut les gars, après une bonne séance. Oubliez pas de nous soutenir là-dessus aussi. Code Fusion 10. Pour que Avener paye. Quand je dis Avener, tout le monde doit dire paye. Si jamais vous voulez des séances qui ont un peu plus de sens que celle-là, ouais. Vous savez où vous pouvez les retrouver, hein. Fitnessfusion.fr, on fait des programmes personnalisés, des programmes avec suivi, des coachings sur place, le cousin qui vient vous assister directement, Lille, Arras, Hénin, tout le secteur, il se déplace même jusqu'à Marseille, si vraiment vous êtes un tu homme avec un gros cul bombé, il peut venir. Et je suis très fort dans tout ce qui est assurance, sécurité, tout, je fais très attention à mes postures. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram si vous voulez un peu plus nous découvrir, on se livre beaucoup plus maintenant sur ce réseau-là. Puis Mousse, tu montres un peu plus ta vie. Ça va. On va pas se mentir, elle est pas spécialement passionnante. Vraiment, en ce moment, t'as un petit jouet qui fait plaisir. Ouais, j'ai une belle voiture. Ma jet aussi, elle est disponible, mais elle est surtout disponible sur le TWM, les gars. Il y a un groupe privé Discord. C'est vrai. Je partage toute ma jet. N'hésitez pas à rejoindre l'Army Dijo, l'Army Pimous. Merci d'avoir suivi la vidéo en entière. Voyons, on est rincé, on donne tout quand on fait. À chaque fois, c'est comme ça. Fin de vidéo, j'ai. Ouais. Au revoir. Remettez le début de la vidéo, regardez l'énergie et remettez le début. Au moins pour le watch. Mais lui, je sens que le pré-workout, il l'a mis bien quand même. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai pris ça. Je sens qu'il est bien. Putain, je suis illégal. C'est pas bien. T'es dans le haram. C'est vraiment déjà, pas t'as niqué ton ramadan avec du pré-workout. T'es moi pendant ramadan, alors que j'ai jeûné là de 14h à 17h. T'es vraiment un enfoiré. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo entière. T'es Fitness Fusion. Force. Et fun. Bon, les gars, regardez qui se réveille quand tout est fini. Ouais, je suis occupé, les gars. On peut pas remettre ça un autre jour. Là, la soirée risque d'être très, très complète.